communiqué numéro 2 relatif à la confirmation de la dissolution du gouvernement et la désignation des secrétaires généraux à assumer les affaires courantes des différents départements ministériels. Il est demandé à chaque ministère de préparer un entretien en vue de la rencontre avec le Comité national de rassemblement et de développement. Cet entretien sera précédé d'un bilan écrit, fourni au plus tard le vendredi 10 septembre 2021 à 18h. Il est demandé aux secrétaires généraux de prendre attache avec le CNRD pour que le Caneva soit mis à disposition. Conakry, le 7 septembre 2021, le président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya. Communiqué numéro 9, CNRD. En application des consignes de sécurité et pour nécessité de service, il est ordonné aux commandants des escadrons mobiles, les commandants de compagnies mobiles et de sécurité, de passer sans délai le commandement de leur unité à leur adjoint. Les sortants qui relèvent la zone spéciale de Conakry rejoindront la commission de travail qui a été mise en place à l'état-major général des armées. Les officiers chargés des opérations des dites unités prennent le commandement en qualité d'adjoint. Le lieutenant-colonel Ismaël Alabi assurera la coordination des escadrons. Conakry, le 8 septembre 2021, le président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya.